Oh, Voilà, Tata Nadège, merci. bonjour. Excusez-moi, j'ai Bonjour. attrapé la grippe du Cameroun. Mais au fait, moi, je rigole beaucoup parce que dans la vie, il faut assumer ce que l'on fait. Et quand il y a un problème, comme je dis, j'ai essayé de résoudre ce problème. J'ai fait tout. Hier, par exemple, la grippe que j'ai eue, la voix partie. C'est parce que j'ai fait une conférence hier entre Coco et Lorraine Meung. Tout ce que Coco a dit est vrai. Tout ce que D'accord. Coco a dit est vrai. Coco n'a rien inventé. Et Lorraine, c'est une menteuse. Mais je dis, comme j'ai dit à Coco, je ne suis pas contente de toi parce que en voulant faire du bien, voilà que ça devient n'importe quoi. Mais bon. On prend la personne telle qu'elle est. Elle a reconnu ses erreurs, elle a demandé pardon. Mais Lorraine Meung, c'est une très grande mytho. Quand Lorraine Meung parle, il n'y a jamais eu de complicité avec une quatrième personne. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a jamais eu de complicité. C'est Lorraine Meung. Je ne veux pas citer le nom de beaucoup de gens parce que quand la vidéo se retrouve, et comment on appelle, quand l'audio se retrouve chez Flore de Lille, Coco appelle pour savoir est-ce que j'ai envoyé. L'audio chez Flore de Lille, j'ai dit, mais non, pas du tout. Et c'est Lorraine Meung. Même quand une sœur a appelé de Paris pour dire qu'elle n'était pas d'accord, c'est Lorraine Meung qui parlait. Lorraine Meung, tout ce que tout le monde a dit, c'était en haut-parleur. Donc Lorraine Meung parlait avec des gens et moi j'écoutais. Vous comprenez? Donc les gens arrêtent un peu de raconter n'importe quoi. Que Malène Eda arrête d'être stupide. Qu'elle arrête d'être un peu méchante, je ne sais pas à quoi elle joue. On va comploter et avec Lolo, non? Lorraine Meung a dit bien ceci. Le jour où Lolo et Lolo venaient à la maison, elles avaient fait un complot, pardon, elle, Lorraine Meung, Marie-Louise Mbarga, Marie-Louise Mbarga et Lolo. Donc, en voulant donc faire quelque chose à perpétuité, franchement, comme Coco a expliqué. Donc, comme ça n'a pas réussi, c'est comme ça qu'ils ont monté le coup pour détruire la relation entre Perpétue et moi. C'est Lorraine Meung. Lorraine Meung a raconté beaucoup de trucs. Et moi, je dis, quand quelqu'un te tend la main, je ne sais pas où c'est parce que j'ai vécu avec les Bamiléké. On sait ce qu'on appelle la soumission. Coco nous a ouvert sa porte. Est-ce que c'était bien encore qu'on lui ferme la porte au nez? Non. Qu'on n'en veuille pas Coco. Et j'ai dit à Lorraine Meung que partout où ça part, j'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre. Aujourd'hui, Lorraine Meung va intervenir dans le direct de comment on appelle la fille là, de Perpétue. Lorraine Meung est de la team Perpétue? Non, pas du tout. Elle n'a jamais été de la team Perpétue. Perpétue n'a même jamais aimé que Lorraine Meung intervienne dans ses directs. Puisqu'elle a parlé, elle a vraiment fait des gestes que tout le monde a vu. Mais Lorraine, réveille-toi, tu es bête. Tu es bête, Lorraine. Tu m'as appelé hier. Tu m'as envoyé des messages. Je t'ai dit que ce n'est pas bien. Je vais contacter Coco. Et j'ai fait ce que je fais. Je vous ai mis en conférence. Tu vas mettre les trucs, tu vas prononcer les noms des gens. Pourquoi? T'as pas honte? T'as pas honte, Lorraine? Moi, je n'insulte pas souvent, mais si tu tentes, Lorraine, je vais t'insulter, je vais profiter des directs pour te traumatiser avec les audios. Tu me connais, non? Je vais te traumatiser, le tout si tu me connais même pas. Je vais te traumatiser, Lorraine, c'est que tu as cherché. Moi, je suis star par procuration. Je suis star par rapport à ma faute. Je vais te traiter. Moi, j'ai un système de vous traiter les audios. C'est ce que je vais faire avec toi. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, Lorraine, de faire ça? Quelqu'un t'a soutenu. Tu es avec quoi? Je te l'ai dit hier. Je t'ai posé la question que, Lorraine, tu parlais de taxi aujourd'hui, que tu vas payer le taxi. Quand tu venais dans le pays, là, comment on appelle en Belgique, tu es avec quoi? Avec quoi? Pourquoi dire que tu chiais, tu ne lavais pas, tu ne tirais pas l'eau, c'est vrai. Je suis la troisième personne, j'assume. Tu chiais, tu ne préparais pas, tu ne faisais pas la cuisine, tu ne te lavais pas.
tu as même mal parlé de moi, je fais quoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Et pour ta gouverne, j'ai dit à Coco, le jour où je t'ai entendu parler de Marie-Louise Mbarga, que cette fille-là n'est pas bien. C'est toi qui m'as fait pour dire que nous Ndemano est en train de faire un direct sur moi où elle dit qu'elle retire son soutien. Tu m'appelles pour me dire que Ndemano ou telle personne a fait ceci, mais il faut arrêter de jouer à ce jeu. Nancy Marie est à peu savoir tout ce que Coco a dit est vrai. Donc je confirme ce que Coco a dit. C'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je ne suis pas à l'acheter ou quoi que ce soit dans le mensonge. J'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre. Je dis ce que je pense. C'est tout. Maintenant que les gens fassent des directs pour raconter n'importe quoi, non, encore ne raconte pas n'importe quoi. Je vais mourir pour Coco. Mm-hmm. Et c'est moi qui ai organisé aujourd'hui. J'ai dit à Lorraine Mondeke, le même coup que tu m'as demandé de faire pour Perpétue, je vais faire le même coup. Pour toi, chez Flore, et c'est ce que j'ai fait. Je suis fidèle en amitié. Et c'est comme ça, et c'est, ça ne changera pas. Donc, ce qui s'est passé là aujourd'hui, c'est moi qu'on dise que c'est Nadège Bapa, rien à foutre. J'assume. J'ai dit que partout, mm-hmm. on insulte cette fille. Je suis là, je n'ai des problèmes avec personne. Avec personne. La seule personne avec qui j'ai des problèmes sur la toile par rapport à la trahison, c'est elle. On voit seulement que je suis allé chez Flore de Lille. Quand on a un adversaire, est-ce qu'on doit demander le consentement des gens? Non, pas du tout. Je vais où je veux. Je suis venue chez Flore de Lille. Elle m'a ouvert la porte et je reste là. Je reste là. Non, tiens. Que Lorraine Mingue laisse Coco tranquille. Si elle ne laisse pas Coco, nous tous, on va parler. Je vais traiter Lorraine Mingue. Elle-même va dire que ce n'est pas possible. Mon nom se retrouve encore sur la toile par rapport à quoi? Toujours parce que vous voulez montrer que je détruis les clients avec vous. Dites donc, fichez la peur aux gens. Je fais la bordellerie avec vous. Où sont les preuves? J'ai laissé ma valise quelque part. Chouan. Vous êtes toujours là en train de dire que Nadège Bapa fait la pute. N'est-ce pas, tu as dit que c'est toi qui envoyais souvent les photos de Nivakin pour qu'on publie? C'est pas toi. Lorraine, tu n'as pas dit ça. Il y a des choses qu'on a parlé, Coco n'était même pas là. Laisse Coco tranquille, laisse la fille autrui tranquille. Tu es une fille sale. Même de comportement, tu n'es pas une fille digne. Quand une fille arrive quelque part pour la première fois, elle croise les pieds. Elle ne fait pas comme toi. Téléphone sur téléphone, si ce n'est pas la veuve joyeuse que tu appelles. Quand Gaël Flore t'appelait, qu'est-ce que tu avais dit? Quand la veuve t'appelait, dis à la veuve que quand tu causais avec elle, j'étais là parce que tu avais 1000 euros par l'heure. Quand Ndemano a causé avec toi, même quand tu as dit à Ndemano que tu n'es plus avec Lolo, c'était à quel moment? Tu aimes trop le Congo ça n'est pas bien. Et tu ne vas pas gagner avec ce genre de truc. Et voilà, c'est tout. Hein. C'est que l'autre a dit, c'est vrai. Ce que Coco a dit, c'est vrai. D'accord. Ce que Coco a dit, elle a seulement oublié, mais c'est vrai. Elle n'a rien. Comment dirais-je? Elle n'a rien inventé. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Elle n'a rien inventé. Elle n'a rien inventé. Qu'on vienne dire que c'est monté, c'est descendu. Elle n'a rien inventé. Coco a dit vrai, mais je dirais à Coco, comme je t'ai dit à 3 et même à 2, que c'est toi, ton bon cœur là qui va te tuer. C'est ton bon cœur là qui va te tuer. Voilà où ça t'amène. Mais tant que je suis là, ça ne va t'amener nulle part. Si c'est le bavardage, on va bavarder nous tous. Donc reste comme tu es. Dans la vie, quand tu fais du bien à quelqu'un, ne regrette pas. C'est tout ce que je peux te dire. Reste comme tu es. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, essayons de soutenir Coco. Elle n'a rien fait de mauvais et ce qu'elle a dit est clair et net. Voilà. C'est tout ce que je peux vous demander. Je vous en prie. Non, on la soutient bien. On te soutient, on la soutient. Vraiment, c'est une douteuse. Hey, ma chérie ne me soutenait même pas. Hein. Vous m'avez déjà soutenu. Pour moi, c'est passé. Maintenant, ce qu'ils disent, là, est-ce que ça gratte sur moi? On est même venu me fiancer à Douala. Hein. Hey, est-ce que je ris? Maman? Et qui? Mais oui, les fiançailles de chat. Mais oui, pas les histoires de dormir debout là. Non, pas du tout. Donc, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Coco, je suis avec toi jusqu'à la gare. Elle a dit un truc, Tatana, que tu passeras éclairci le problème qu'elle raconte, que c'est elle qui t'a monté pour clasher compresseur. Pourtant, c'est... On l'accuse de t'avoir monté pour clasher compresseur. Je vais vous poser une question. Hein.
quand Compresso a commencé à m'insulter depuis l'histoire d'Achille Lachève, depuis le 14 mai, qui était là? Qui m'a soutenu? Personne ne m'a soutenu. Quand Compresso a dit, est-ce que vous savez qu'Achille a déposé plainte à mon enfant au Cameroun? Achille a déposé plainte à mon enfant au Cameroun, ce que j'ai fait à Achille. Jusqu'à dire que son épouse, est-ce que vous savez que Achille a dit que j'ai un titre de séjour de 6 mois? Et quand on regarde, puisque moi, je n'ai pas la carte d'identité du Cameroun, on regarde, on voit que j'ai 10 ans. Est-ce que vous savez qu'Achille a dit que Perpétue est française parce qu'ils ont la carte du Cameroun? Je leur ai dit que donc, quand Fleur de Lune montre qu'elle est française, ça vous tape. Hein? Est-ce que vous savez que Achille, c'est quelqu'un qui a recommandé le commandant à Achille pour me faire du mal? Achille a mangé avec mon enfant. J'ai vu Perpétue, ne me parlait même pas. Quand elle a voulu me parler, j'ai dit, allez, c'est ma petite soeur qui va te parler. Perpétue peut me parler en face. C'est Achille qui est à l'origine de tout ça. Achille, j'ai dit, comme il est manipulateur, il va se retrouver. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de l'insulter parce qu'on dit qu'il y a ici, il y a Z2. Je n'ai pas envie. Mais mon avocat a dit que même si c'est pour un héros, il est là. Il faut savoir entretenir les relations. Mon avocat a dit que cette fille essaie de prononcer seulement son nom. C'est un avocat de renommée. Prononcer son nom seulement. Elle va voir ce qu'il va lui faire. Le tapage qu'ils font sur Facebook, là, qu'elle prononce seulement le nom. C'est quoi là cette méchanceté? C'est quoi cette méchanceté? Hein? Quelqu'un te tend la main. Pourquoi toujours les gens sont en train d'être trahis? Quand l'histoire d'Achille la chèvre a commencé, qui était là? Personne n'était. Coco a essayé d'arranger. L'histoire des ballots a commencé. Coco a essayé d'arranger. Personne ne l'a cru aujourd'hui. Parce que Coco a fait ceci en bien, que ça devient n'importe quoi. On ne sait pas que quand quelqu'un fait la prostitution, il doit se cacher. Est-ce que la prostitution, c'est un luxe? La prostitution, c'est un luxe? Ce n'est pas un luxe du tout. Pourquoi Lorraine ne veut pas se prostituer? Elle va mettre les noms des autres personnes alors qu'elle était là. C'est elle. Jusqu'à aller chez Coco. Elle a toujours nié qu'elle ne fait pas la prostitution. Hein. C'est sorti maintenant. Jusqu'à aller chez Coco, je lui ai posé la question que, mais Lorraine Mungue, dis-moi un peu, comment se fait-il que tu dis que Coco est allée te suivre parce que tu as sonné chez elle, elle était en chemise de nuit, elle est sortie comme ça, et en montant ses escaliers, tu l'as filmée. Mais Lorraine Mungue, vous prenez pour qui? Vous prenez, mais vous êtes où? Coco t'a invité chez elle en Belgique pour venir chercher ton argent pour que tu la filmes. Et l'ingratitude, c'est quelque chose. C'est le syndrome de Lolo Pipi Mania. L'ingratitude, c'est quelque chose. Franchement, l'ingratitude, c'est quelque chose. Coco sortait, elle allait au travail, hein? Mais après, quand elle a encore organisé la calomnie, je ne sais pas pourquoi les filles sont comme ça. Organiser encore une calomnie, c'est qu'elle a parlé de moi. Je lui ai dit hier que, Lorraine, même que je suis au courant, tu ne m'as pas vu t'appeler. Hein, parce que pour moi, tu ne sais à rien. Tu ne sais à rien. Je le lui ai dit hier. Et maintenant, je suis en train de le dire devant le monde entier. Elle ne sait à rien. Elle ne sait à rien. J'avais dit à Coco qu'une fille qui parle, qu'est-ce qu'elle n'a pas parlé de Marie-Louise Mbarga? Qui savait que Lorraine Mungue ne parle plus avec Marie-Louise Mbarga ou Lolo? Qui le savait? Que Lolo vient nous dire la vérité. Est-ce qu'elle parle avec Marie-Louise Mbarga? Qui a fait que Ndema nous clash Lolo? C'est quoi? C'est Lorraine Mungue. C'est Lorraine Mungue. Ah bon? Merci. Ah ouais. Merci, puisque c'est elle qui dit en Ndema nous que je ne parle plus avec Lolo parce que. Et quand Ndema nous va passer dans le direct de l'autre PD qui dit qu'il est mon frère aux États-Unis là, elle parlait de ça. Elle parlait de ça. Elle est encore suivre le direct où le gars m'insultait là. Elle parlait de ça. Elle a parlé de ça. Que Lolo, tu ne parles pas avec Lorraine Mungue par rapport à quoi? Elle a parlé de ça. Oui, monsieur. Elle a parlé de ça. Donc maintenant, le reste là, qu'on disait que Tata Nadej, je bats pas le cul de vos mains. Coule les articles, comme je dis souvent, parlez de mon nom. Ça va se pencher comme la bouche de votre Angelina pour vos chouans. Ça va le goût de l'insulte de chat. Ouais, ok.
Non, moi j'ai déjà éclairci Coco. Moi je dis, tu es une grande fille, ça ne change rien. Je t'ai dit que fais comme j'avais fait, comme elle m'avait montré. Juste c'est elle qui a monté Michel et Somba. Maintenant, elle voulait qu'on te clash parce qu'elle a commencé à mener l'histoire depuis le matin. Comment on appelle la fille là? Lorraine Mungo ne sait pas que tout le monde avec qui elle causait, hier, elle était à l'écoute pour qu'on sache, pour qu'on voit quel genre de personne. Elle a causé avec deux personnes hier. Et les deux personnes avec qui elle a causé, on était en conférence sans qu'elle ne sache. Tu comprends? Vous comprenez? Parce qu'elle a voulu dire que c'est Coco qui a raconté, c'est Coco qui a raconté. On était hier en conférence, mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Bête, mamie Kongosa avait brûlé sa maison à cause du Kongosa. Tu vas brûler ta maison. C'est comme ça que tu as oublié de chercher les clients parce que tu étais dans les directs, dans les vidéos, dans les téléphones, dans partout, partout. Après, quand quelqu'un a son argent, tu es jalouse. C'est toi qui es en train d'emprunter. Dis aux gens que tu t'as donné 250 euros pour que tu achètes ne serait-ce que la télé aux orphelins que tu dis là. Dis aux gens que tu as dit que si Compresso arrive au Maroc, c'est ton copain qui est le chef de Maroc, il est DJ là-bas. Ce qu'il va faire à Compresso. Lorraine Mungo, viens nous dire. Viens nous dire ça. Pourquoi tu dis seulement que Coco a fait ceci, Nadège, papa, ta maman? Tu peux être comme moi. Moi, même si je ne me lave pas, comme on dit, hein, mais devant toi, j'ai fait les efforts. Je me levais tous les matins, je me lavais, faisais mon make-up. Est-ce que toi, tu te lavais alors le matin et je sentais bon? Tu te lavais? Tu vas chercher les clients, tu n'as même pas de lingette, tu n'as même pas de serviette pour changer. Tu es malade, Lorraine Mungo. Tu parles comme ça à qui? Chouan. Tu parles comme ça à qui? Pardon, je ne passe plus nulle part dans aucun direct. Je suis passé là, c'est la team PDG. Je ne passe plus, j'ai expliqué les choses. Je dis bien, Coco dort en paix, dort bien. Dort bien. Je suis là. Je t'ai envoyé chez Flore, j'ai appelé Flore, j'ai envoyé. Je ne me cache pas quand il fait quelque chose, au goût de ça. Allez vous cacher, moi je ne me cache pas. Maintenant, allez insulter là-bas. Et vous avez dit que je suis star par procuration, mais ma bouche ne va pas se pencher comme pour vous. Je ne vais pas sentir mauvais, comme au moins on m'insulte. Mais quand vous voyez que je suis différente. Tu dis que je suis ta grande sœur. J'ai tes messages que tu m'as envoyé. Je vais envoyer ça dans les inbox des gens. Je vais envoyer ça dans les inbox des gens. J'ai évité de te parler, Lorraine Mungo. Parce que j'ai trouvé que ce n'est pas normal qu'on soit à trois dans un truc. Et tout le monde est au courant. Et tu veux renvoyer le truc sur Coco. Et tu ne savais pas que moi, je causais avec Coco. La méchanceté. Je bloque, ne vous inquiétez pas, je bloque. Ah, quand on insulte là-bas, ne les bloque même pas. Pardon, j'ai quoi là-dedans? Tu sais depuis quand on non, a... Non, je bloque, sinon ils vont gâter le direct. Je vais bloquer. Ils ont commencé à m'insulter aujourd'hui. Voilà une personne qui m'a amené sur la toile, la personne m'a trahi. Ils m'ont dit seulement que c'est moi qui ai trahi la personne. J'ai trahi la personne en quoi faisant? L'histoire d'Achille, la chef, c'est moi? Non. Ils ont amené, ils ont porté plainte à mon enfant ici au Cameroun, jusqu'à danser. Donc vous, vous êtes fiers. Ces ballots sont là-bas. Et j'attends que le mercredi arrive. Je m'avais dit là-bas que, parce qu'on n'a pas signé, hein. Tant qu'on n'a pas encore signé, les ballots-là ne peuvent pas bouger. Donc, je m'avais signé et dit que c'est pour les orphelins. Je voulais seulement montrer à cette fille que tu ne me peux pas en France, tu ne me vaux pas en France. Ce n'est pas au Cameroun que tu pourras me faire quelque chose. Ce n'est pas au Cameroun. Je lui ai montré que moi, j'entretiens mes relations. Donc, voilà. D'accord. D'accord, Tatana. N'oublie pas de nous envoyer les voices. Oui, je vais t'appeler, Coco. Je vais t'appeler. Non. Les audios, non. Je vais encore envoyer. Oui. Je vais encore chercher les sabouli, ça, les tout ça. Je vais chercher ça, le goût de ça. Je vais te mettre, pour moi, quoi là-dedans. Merci, Timo. D'accord. Merci. Mon gars. On attend ça. On te soutient bien. Mon fiancé est en train de dormir là-bas. Je suis là dans les histoires de Facebook. Où on Facebook, où c'est pas Facebook et quoi. Maman m'a pas de fiancé. C'est Facebook. Que comment on appelle la chancelière de mon cul m'a donné. Angela Merkel. Je suis là avec lui, Pian. Après, ils sont venus dire que oui, ils n'étaient même pas à la gendarmerie. Mais non, il faut faire la part de choses. Qu'est-ce qu'il a à voir avec les histoires des pisseurs au lit? Il vient faire quoi là-bas?
Donc, on voulait le voir. Non, vous n'allez pas le contaminer, vous mentez. On a dit que pas de, de rapprochement. Vous mentez parce que vous êtes trop mauvais. Jamais de la vie. Vous allez le voir seulement à la télé ou sur les réseaux sociaux quand vous le voyez. C'est chez le camp aux gens. Non, il faut protéger ton mari, Tatana. Ok, le tout. Est-ce qu'elle m'amuse avec? Il y a une dame là, Adjokan Jansan, qui est de ce côté aussi. La dernière fois, elle est partie. Parce que moi, si vous voulez, je suis. Comment on appelle souvent ça? Administrateur de la page de Premier ministre, c'est ça, non? Oui, administrateur. Oui, c'est ça. Voilà, de la page de Premier ministre. Alors, Adjokan Jansan, le jour où la fille a perdu son père, Adjokan Jansan a dit à Antoine de faire le liti. J'ai envoyé le message à Adjokan Jansan que tu tentes encore. Pas vos marabouts que vous dites que vous faites souvent là, jusqu'à ce que vous faites des posts sur des gens. Et comme ils ont vu que Coco n'était pas dans leur truc, voilà le résultat maintenant, voilà les remerciements. Donc, quelqu'un tente. Quand vous écrivez les messages à Antoine là, sur la page Premier ministre, sachez que je suis là-bas dedans, je lis tout. Donc vous qui venez c'est là, elle qui reçoit. Venez bien. Donc continuez à écrire. Oui, venez bien. Puis je viens dans vos inbox, je vous insulte bien. Le piège de chat. Mais je dis ça aujourd'hui. Donc voilà. D'accord, Tatana. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Je vais prendre Tata Coco maintenant pour qu'elle va intervenir. D'accord. Bonne soirée. Alors, j'attends. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci de rien. Ok. Elle est où? Je l'ai vue quelque part. Tata Coco. Bon, c'est bon. Le goût du direct de chat. Bonsoir, Tata Coco. Bonsoir. Rebonsoir à tout le monde pour moi ici. Rebonsoir, nous t'écoutons. C'est une nuit longue depuis hier, parce que depuis avant-hier, je n'ai pas dormi la nuit d'aujourd'hui. Pourtant, je dois me lever à 7 heures pour aller bosser. J'ai tout dit aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas une personne qui manque, qui invente. Je peux oublier d'autres choses, mais je ne peux pas inventer un truc sur des gens. Posez-vous la question, Mafo est là. Il y a de cela combien de jours là que Lorraine venait publier, partait sur le mur de Mafo, elle commentait sur le mur de Mafo. Nadège m'écoute là, elle sait de quoi je parle. Même ici, quand elle était dans l'appartement ici, quand Mafo était en direct, Lorraine venait commenter. Alors, elle publiait aussi certains posts de Mafo. Pourquoi depuis que Lorraine me cherche les problèmes et qu'elle a su que là où je suis là, je peux venir dire la vérité de ce que je connais aujourd'hui chez Mafo, comme ça s'est passé aujourd'hui? Elle repart à la team TKC. Qu'elle a dit ici qu'elle ne peut jamais. Elle préfère publier les choses de Mafo que de publier les choses de Compressor. Mais c'est aujourd'hui, comme elle voit que je suis à la team de je suis chez vous, chez les PDGs, pour lui dire ses vérités. Elle replie maintenant à la TKC. Pourtant, elle n'a jamais été de la TKC. Et quand je passe aujourd'hui là-bas, moi, je n'ai aucun problème avec une personne de la TKC. J'ai juste pris mes décisions de rester un peu tranquille à l'écart. Et je pense que dans mon direct, je n'ai indexé personne de la TKC que c'est juste ce que j'ai dit. J'aime comprendre. Bref, je ne reviens plus sur ça. J'ai envie, parce que je viens de suivre pas à pas le direct de Marlène Eda, où elle cautionne les conneries de Meung. Parce que c'est une team que... C'est pour Marlène Eda que je parle. C'est une team qu'elles veulent juste inculper les gens. Elles ne veulent pas écouter les gens. Elles ne veulent pas inviter les gens pour écouter aussi leur version. C'est contrairement sur Flore. Parce que sur Flore, même si elle va conclure un truc à la fin, mais elle t'écoute d'abord.
C'est vrai. Voilà. Nous sommes une de... Oui, vas-y, vas-y, Tata. Vas-y. Voilà. Voilà Lorraine Mengue. Parce qu'elle sait que je suis... J'ai la confirmation. Si Flore est en direct avec Michel Essomba, qu'elle pose la question là à Michel Essomba. Michel Essomba lui dirait que ce que moi, Coco, j'ai dit est vrai. Michel Essomba ne pouvait pas publier Flore. Et c'est Lorraine Meung qui m'appelle pour me dire on t'envoie 500 euros, tu clashes Flore. J'ai dit que je ne peux pas clasher Flore et je ne peux pas prendre l'argent de Michel Essomba. Je soutiens Michel Essomba à ma façon. Et c'est Lorraine Meung, quand elles ont envoyé cet argent à Compressor, selon elles, je n'étais pas là. Ce sont elles-mêmes qui m'ont rendu compte. C'est là où Compressor clash Flore. L'autre jour, ici à la maison, moi, je les laisse ici à l'appartement, je vais travailler. Quand je reviens à 17h, je reprends un peu le petit passage là. Quand je reviens à 17h, je trouve que Lorraine Meung a déjà monté ici. Quand j'ouvre, je toque, on m'ouvre la porte, j'entre. Je m'allonge sur mon canapé, elle sort de la chambre, elle vient s'asseoir là. Lorraine Meung commence à parler, me dit, Coco, moi, j'ai dit à Nadège Bapa que tu es au courant du coup que j'avais fait à Nadège, à Flore. Quand j'étais avec Michel Essomba. Parce que c'est moi qui avais publié les photos de Flore. Jusqu'à, on voulait me payer 500 euros, tu as refusé. On a envoyé cet argent à Compressor, même comme Compressor n'a jamais accepté aujourd'hui. Et je suis restée dit à Nadège Bapa de publier Compressor. Parce que trop, c'est trop. Compressor se prend même pour ce qu'il faut qu'elle publie Compressor. Compressor l'a trop insulté et tout, et tout, et tout. J'étais allongée sur mon canapé, je me déshabillais devant elle pour m'allonger, fatiguée, j'ai mal au dos. Elle a parlé. J'ai dit à Nadège, que Nadège, là où tu es là, tu dois peser le pour et le contre. Oui, en train de me signaler, hein. Et ça pack. Les gars me signalent. Vidéo allô? Que j'ai à l'audio que j'ai envoyé à Flo à la fortune. Waouh, les sorciers me signalent. Je vais relancer sur la page parce que c'est moins risqué. OK? Je vais relancer sur la page. Mais sur la page parce que c'est moins risqué.